John F. Kennedy disait « L'art de la réussite, c'est de s'entourer des meilleurs. » Bonjour, mon nom est François Legault, je suis député de l'Assomption, chef de la coalition Avenir Québec, ancien ministre de l'Éducation. Je suis Jean-François Roberge, député de Chambly, porte-parole en éducation. Je veux qu'on mette l'accent sur la persévérance scolaire parce que chaque jeune est un joyau à polir. En fait, je veux qu'on développe notre plus grande richesse naturelle, nos jeunes. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est de donner tous les outils à tous les jeunes pour qu'ils soient capables d'aller au bout de leur potentiel. Mon super-héros de la persévérance scolaire, c'est Stéphane Paradis et sa marionnette, Gustave. Stéphane qui fait des tournées de centaines de classes, qui rencontre des milliers de jeunes à chaque année pour leur faire réaliser qu'ils ont raison d'être fiers d'eux et qu'ils sont capables. Merci Stéphane. Mes super-héros, il y en a plusieurs. D'abord, ma mère. Ma mère, c'était incontournable. Il fallait faire ses devoirs, ses leçons. Donc, les parents aider à pousser les enfants, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, on a des enseignants. Je me souviens de Mme Ménard, M. Morin aussi, qui nous parlait de débats de société après les cours. Nos profs d'éducation physique qui nous faisaient jouer au hockey à l'extérieur à l'époque. Donc, on a besoin de beaucoup de personnes pour réussir parce que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous.